Alors, nous allons nous lever, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole. Je vais lire avec vous dans Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13, on va lire quelques versets à partir du verset 1er. Il nous est dit, « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode, les tétrarques, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, c'est la première fois donc qu'on appelle Paul par ce nom-là, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant les personnes pour les guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. » On va demander la grâce de Dieu. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, pour ta bonté et ton amour. Reconnaissant de ce que, Seigneur, tu nous aimes d'un amour éternel. Reconnaissant de ce que, Seigneur, tu prends soin de nous dans le moindre détail. Parce que tu as veillé sur nous sur l'année passée, Seigneur, et c'est par ta grâce que nous commençons cette année. Père de gloire, nous voulons laisser cette année entre tes mains, demander que tu sois le maître, Seigneur, de chaque détail de notre vie tout au long de cette année. Voilà pourquoi, Seigneur, cet après-midi, nous sommes là, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Nous disons, Seigneur, que parle-nous, Seigneur, que tes serviteurs, tes servantes écoutent. Seigneur, nous voulons être disposés, Seigneur, à marcher, à vivre pour toi et rien que pour toi. Sois béni à jamais, Seigneur. Merci encore pour tout. Toi, le Dieu Tout-Puissant qui connaît les besoins de tes enfants, Seigneur, nous prions que tu puisses encore visiter ton peuple cet après-midi, Seigneur, bénir, agir, guérir, en tout cas, te glorifier pleinement dans les vies. Sois glorifié à jamais parce que tu en es digne, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez-vous asseoir, bien-aimés. On disait tout à l'heure, l'année 2015 est passée. Nous voici en 2016. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, dans la Bible, il y a le vœu que l'apôtre Jean formule à Gaius au chapitre 3, troisième épître de Jean, où il dit « À Gaius, les bien-aimés que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. » Je pense que c'est le vœu qu'on peut formuler, en tout cas en tant que pasteur, serviteur de Dieu, que nous pouvons formuler aussi à l'Église. Nous voulons que l'Église, le peuple de Dieu soit béni. Alléluia. Que le peuple de Dieu soit béni à tous égards. L'homme de Dieu dit ici, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. On a reçu des vœux, et ça continue d'arriver, où on voit
bonheur, prospérité, richesse, amour et tout le reste. Bien-aimés, je vais vous dire cet après-midi que les hommes font des vœux, mais le plus grand des vœux, c'est la volonté du Seigneur. On peut dire bonheur, prospérité, richesse, et tout ce qu'on veut, mais si Dieu n'est pas dans l'affaire, ce ne sont que des vains mots. C'est bien de dire merci à la personne qui nous envoie le vœu. J'ai envoyé des vœux à certaines personnes de l'Église. Je ne sais pas, mais le Seigneur m'a mis à cœur, en tout cas pour cette année, quelques-uns ont reçu ce vœu, où je disais simplement, meilleur vœu, mais que la crainte de l'Éternel soit le partage de chacun. Bien-aimés, si nous voulons voir la main de Dieu dans notre vie, dans notre Église, dans notre famille, bien-aimés, la crainte de Dieu, c'est une force. On ne peut pas souhaiter plein de bonnes choses, mais s'il n'y a pas la crainte de Dieu dans nos vies. On peut me souhaiter le bonheur, tout le monde, toute l'assemblée peut me dire, pasteur Jean, bonheur, prospérité, tout ce que tu veux. Mais si je ne marche pas dans la crainte de Dieu, bien-aimés, ce ne sont que du blabla. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à saisir la pensée de Dieu. C'est que le sketch qui a été présenté tout à l'heure, moi, ça me glace la colonne. Quand les gens vivent dans les désordres, pensant qu'ils sont toujours bénis, pensant que rien ne peut leur arriver, c'est quand même terrible. Alors, je vais vous dire cet après-midi que la vraie bénédiction de tout enfant de Dieu ne peut être obtenue que dans la mesure où l'on a compris la volonté de Dieu dans sa vie. Nous, nous bénissons, nous donnons, nous proclamons des vœux, nous annonçons des bonnes choses. Mais si Dieu ne met pas sa main, ce n'est que du blabla. Jérémie 10, 23 nous dit, « La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. La voix de l'homme, le chemin de l'homme, n'est pas à son pouvoir. L'homme n'est maître de rien du tout. Et ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Et si Dieu n'est pas avec nous, ça ne nous sert à rien. » J'ai vu quelqu'un a mis sur Facebook, je ne sais pas où il l'a pris, mais en tout cas, c'était quelque chose qui me parlait, où il disait, dormir, c'est dans ta volonté de dire, ah ouais, aujourd'hui, je vais me coucher à 23 heures. Et si Dieu te fait grâce. Mais se lever le matin, c'est par la volonté de Dieu. J'ai des témoignages récents des compatriotes qui sont décédés. Il y en a un qui, après avoir pris son dessert, il va se reposer pour il ne s'est plus jamais réveillé. Et les enfants qui sont en train de crier, mais papa, pourquoi t'as pas appelé au secours? Mais quand ça arrive, on ne sait pas comment c'est arrivé. Personne n'est maître de quoi que ce soit. La voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Proverbe 20, 24 nous dit, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voix? On a l'impression qu'on fait des choses parce qu'on veut le faire. Mais la Bible nous dit que c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Bien-aimés, nous avons besoin de saisir la volonté de Dieu dans notre vie. La volonté de Dieu pour cette année nouvelle. Cette 2015 est passée avec ses lots de bonheur, de joie, mais aussi de problèmes et aussi des soucis. Et là, on est, on va dire, comme nous on dit à l'hôpital, on est à J3 de 2016. Et les soucis ont déjà commencé. Que Dieu nous aide à saisir sa volonté. Bien-aimés, saisir la volonté de Dieu passe par la connaissance de la parole de Dieu qui nous révèle son plan. La parole de Dieu, c'est comme notre GPS. Vous savez, dans la voiture, on ne sait pas où on va, mais on met le GPS, tourner à gauche, tourner à droite, et on se laisse guider. Guidage par satellite. Et nous, notre guidage, c'est la parole. Bien-aimés, que cette parole soit notre quotidien. Qu'au travers de la parole de Dieu, bien-aimés, que nous puissions saisir la pensée de Dieu pour nous. Quand je dis la parole de Dieu, c'est la parole lue quand nous lisons la Bible. C'est la parole prêchée quand nous prêchons. Mais c'est aussi la parole que nous pouvons entendre par-ci et par-là, par mon frère, par ma soeur, par d'autres personnes.
Job lui dira, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Ce n'est pas ma volonté qui prime, ce n'est pas parce qu'on m'a dit que l'année 2016 sera une année de bonheur que forcément ça va se réaliser. Ce qui va se réaliser, c'est ce que Dieu a pour moi en 2016. Seigneur, aide-moi à saisir ta volonté pour moi pour cette année nouvelle. » Bien-aimé, c'est important dans des moments comme ça, de faire le bilan de sa vie. On le dit souvent ici à l'église, mais combien c'est important de faire le bilan de 2015. Qu'est-ce que je fais en 2015? Qu'est-ce qu'a été ma vie en 2015? Qu'est-ce qui m'attend en 2016? Dieu, lui, il veut que nous prospérions à tous égards. Notre prière, c'est que nous soyons prospères à tous égards. Que nous soyons en bonne santé, alléluia, merci Seigneur. Mais est-ce que nous sommes prêts, nous? Est-ce que nous nous laissons, gagner par la volonté de notre Seigneur? Le vrai chrétien doit pouvoir reconnaître la voix du Seigneur. La voix V-O-I-X et la voix V-O-I-E. Entendre la voix du Seigneur et rester sur la voix du Seigneur. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 4, verset 1er, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Avoir cet état d'esprit où on peut discerner les choses de Dieu, où on peut faire la part des choses, de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Alors, comment reconnaître la voix du Seigneur? On reconnaît la voix du Seigneur par la conformité aux enseignements du Seigneur Jésus, qui a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La voix du Seigneur. La voix du Seigneur, c'est Jésus. Le chemin que Dieu a tracé pour nous, c'est Jésus. 2016, que ce soit une année où, Seigneur, je ne veux pas m'écarter de la voie. Je ne veux pas m'éloigner de toi, Seigneur Jésus, mais je vais te suivre dans cette voie. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le Seigneur dira aussi, dans Jean 16, verset 13, il dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Reconnaître la volonté de Dieu dans notre vie, bien-aimée, c'est être à l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais il parle du Seigneur. Bien-aimée, quand quelqu'un vient se glorifier lui, il ne faut pas l'écouter. On glorifie Jésus. Alléluia. Il faut que Jésus soit vu dans ma vie et dans ta vie. Alléluia. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Reconnaître que la voix du Seigneur passe aussi par l'accord et l'harmonie avec cette parole. On ne peut pas saisir la volonté de Dieu si on néglige la parole de Dieu. On ne peut pas saisir la volonté de Dieu si on néglige la pensée de Dieu. Jésus, elle est la parole faite chair, ça nous le savons, et le Saint-Esprit travaille ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Il y en a qui disent, j'aime Jésus, mais sauf qu'on n'écoute pas le Saint-Esprit. J'aime Jésus de ma bouche, j'appartiens à Jésus, j'aime Jésus, c'est devenu comme des slogans. Mais est-ce qu'on est à l'écoute de la voix du Saint-Esprit? Est-ce que quand le Saint-Esprit nous interpelle, quand le Saint-Esprit nous parle, est-ce que nous sommes à l'écoute? On se dit, oh ben oui, mais le pasteur a parlé, lui peut toujours parler. Ah oui, mais j'ai eu comme le sentiment quand je faisais cette action-là, que quelqu'un me parlait. Mais c'est la voix du Saint-Esprit. Bien aimé, est-ce que nous sommes à l'écoute de la voix du Saint-Esprit? On ne peut pas aimer Jésus. Jésus, je t'aime. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi, et ne pas faire sa volonté.
Je disais tout à l'heure, donc, reconnaître que la voix du Seigneur, c'est exalter le Seigneur Jésus. Le Seigneur a dit que quand le Consolateur sera venu, il rendra témoignage de lui. Dans toute ma vie, dans ce que j'entends, dans ma vie chrétienne, je veux que Jésus soit exalté, que Jésus soit honoré. Que là où Dieu me place en 2016, que cela soit un endroit où le nom de Jésus est glorifié. Que mes amis sachent que j'appartiens à Jésus et que je puisse aussi les gagner à Jésus. Comme nous l'avons vu dans le sketch, quelquefois on est chrétien, moi je le sais, moi-même, ma famille, mais en dehors, là où tu travailles, personne ne sait que tu es chrétien. Tu n'as jamais rendu témoignage pour le Seigneur. Tu n'as jamais rien dit pour ton Dieu. Et pourtant, tu aimes Jésus. Et tu as eu des occasions. Et moi aussi, d'ailleurs, on a quelquefois des occasions. Parce qu'il y aura toujours des occasions de parler du Seigneur. Vous savez, par exemple, quand il y a un décès qui arrive dans la famille, c'est une occasion pour parler de Jésus. Quand ça arrive, on pose la question, moi je demande toujours, est-ce que la personne partie, est-ce qu'elle connaissait le Seigneur? Mais combien c'est douloureux, mes frères, mes sœurs, quand nous savons qu'un de nous, un de nos proches est parti, et qu'on l'a côtoyé pendant un moment, pendant je ne sais pas 30, 40 ans, 50 ans, et qu'on n'a jamais osé lui parler du Seigneur. Vous savez, quand ça arrive, on pleure doublement. Quelle tristesse! Parce qu'on sait ce qui attend quelqu'un qui n'a pas donné sa vie au Seigneur. Alors, le Seigneur a dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous le communiquera. Ce qui revient à dire que la tâche du Saint-Esprit, que ce soit dans nos cultes que dans notre vie personnelle, c'est de glorifier Jésus. Un culte où le nom de Jésus n'est pas cité, pour moi, ce n'est pas un culte. Parce que la Bible, quand on ouvre la Bible du début à la fin, la Bible nous parle de Jésus. Au commencement était la parole de Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au commencement de toutes choses, c'est Jésus. Et la fin de toutes choses, c'est Jésus. Et si on ne parle pas du Seigneur, je ne vois pas de qui d'autre on peut parler. Le Saint-Esprit, il nous interpelle, il nous parle. Vous savez, dans le monde, il y a aussi un esprit. Mais l'esprit du monde, c'est de s'élever et d'élever un homme ou de s'élever pour écraser les autres. L'esprit du monde, c'est de dominer, d'être le chef, de recevoir les honneurs. Mais le chrétien, lui, doit attendre l'élévation de la part du Seigneur. Nous, vous savez, le Saint-Esprit, c'est celui qui t'apprend l'humilité, qui t'apprend à être à l'écoute de la voix du Seigneur. Et dans le monde, il y a l'esprit, comme je disais tout à l'heure, qui va chercher à s'élever, à écraser les autres. Le chrétien, lui, doit attendre tout du Seigneur. Qu'en 2016, mes frères et mes sœurs, que nous soyons attentifs à la voix du Seigneur. Seigneur, je vais m'attendre à toi en cette année 2016. Tout attendre, l'élévation de la part du Seigneur. C'est le Seigneur qui va m'élever, ou le Seigneur va pourvoir à mes besoins. La Bible dit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Tout vient de lui. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. 1 Samuel 2, vous pouvez lire versets 6 et 7. Le Seigneur Jésus a dit aussi dans Matthieu 23, 11, 12, il dit, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Je veux être grand en 2016. Mais le Seigneur me dit, « Oui, Jean, si tu veux être grand en 2016, commence par être serviteur. » Or, souvent, les gens n'aiment pas être serviteur. Les gens aiment être servis plutôt que de servir. Or, le Fils de l'homme, lui, il est venu pour donner sa vie en rançon, pour servir et non être servi. Que le nom du Seigneur soit béni. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Que la volonté du Seigneur s'accomplisse dans notre vie. Seigneur, si c'est ta volonté de m'élever en cette année 2016, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse.
Quand le Seigneur dit donc que le plus grand parmi vous soit votre serviteur, il est en train de dire l'humilité précède la gloire. Et la parole de Dieu nous dit la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. L'humilité précède la gloire. Proverbe 15, 33. Ou Proverbe 18, 12 qui nous dit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité, encore l'humilité, précède la gloire. » Bien-aimé, que cette année soit pour nous une année où nous nous humilions devant le Seigneur afin qu'il nous élève en temps convenable. Alléluia. La Bible dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. » Tu veux être en sûreté cette année, mon frère, ma sœur. Tu veux être protégé de tout danger, de toute attaque, je ne sais quoi, mais tu veux être béni. La Bible me dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient. On va se réfugier dans le nom de l'Éternel. Que cette année soit pour nous une année où nous glorifions notre Dieu. Seigneur, si l'année dernière, je n'ai pas pu te donner tout, je m'engage cette année, Seigneur, vraiment à faire le mon mieux pour aller de l'avant avec toi. Alors, dans ce que nous avons lu, on va retourner dans Actes chapitre 13. Nous connaissons l'histoire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui était cet homme qui persécutait l'Église. Cet homme à vue humaine. Enfin, si on va dire à vue chrétienne, serait infréquentable. D'ailleurs, même quand l'apôtre Paul s'est converti, les chrétiens ont encore peur de lui, de s'approcher de lui. Oui, mais même Ananias qui va prier pour Paul dit, « Seigneur, mais tu ne connais pas, cet homme a fait des ravages. » Mais quand le Seigneur est déjà passé par là, le Seigneur a déjà préparé le terrain, nous, on n'a pas à juger, on n'a qu'à accepter la volonté du Seigneur. Et on voit l'homme de Dieu, l'apôtre Paul. Dieu va se servir de cet homme parce que cet homme a compris que la rencontre avec Jésus, c'est une grande bénédiction. Comme nous cet après-midi, je pense que vous êtes comme moi, connaître le Seigneur, c'est une grande bénédiction. J'ai parlé tout à l'heure avec une sœur qui se reconnaîtra. On disait, quelle grâce pour nous de savoir que quoi qu'il en soit, quoi qu'il nous arrive, nous avons le Seigneur avec nous. Comment aurions-nous fait si le Seigneur n'était pas là? Je peux vous dire personnellement, moi je connais des situations terribles. Et je me dis, merci Seigneur, parce que tu es présent. Merci Seigneur, parce que je te connais. Comment aurais-je agi si je ne connaissais pas le Seigneur? Je ne serai peut-être pas là devant vous cet après-midi. C'est une grâce, mes frères, mes sœurs, de savoir que le Seigneur est avec nous. De savoir que je vis ma vie en sachant que, Seigneur, tu es avec moi. Quelles que soient les attaques, quels que soient les problèmes, les outrances et les outrages, Seigneur, je sais une chose, que toi, tu m'aimes d'un amour infini. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans l'église d'Antioche, on voit qu'ils sont en train de jeûner et prier comme nous cet après-midi. Bien-aimés, le jeûne et la prière sont indispensables dans la vie d'une église. Ils sont en train de prier, ils sont en train de jeûner. Ils ne savent pas ce qui va arriver. De prendre du temps à part pour le Seigneur. Commencer l'année par ce temps de jeûne et de prière. Quelle grâce, je vais dire, cet après-midi. Si l'église est en train de jeûner et de prier, quand on parle de l'Église, l'Église est un ensemble. Mais l'Église, c'est chaque chrétien associé à d'autres chrétiens. Donc c'est toi, c'est moi, c'est ensemble que nous conjuguons nos efforts, que nous conjuguons notre énergie pour la gloire du Seigneur. Les jeûnes et la prière sont nécessaires pour la croissance numérique de l'Assemblée, mais aussi pour la croissance individuelle de chaque membre de l'Église, pour l'évangélisation, pour l'accueil, pour tous les services de l'Église. Nous avons besoin de jeûner, de prier. Jeûner, prier, c'est mettre Dieu à la première place. Que cette année, mes frères et mes sœurs, soit pour nous une année où nous allons jeûner, prier, pour que le Seigneur
occupe la première place, pour que rien de l'ennemi ne vienne perturber notre vie, notre communion avec le Seigneur. Je n'ai prié, c'est rechercher prioritairement la face de Dieu en humiliant son âme. J'ai faim, mais oui, mais mon estomac, tu vas te taire. Parce que là, je suis en train de franchir des paliers là. Là, je suis en train de monter là. Là, je suis en train de chercher la face de Dieu. Le reste, je fais silence. Alléluia. C'est rechercher la pensée, la direction du Seigneur dans une situation bien précise. J'ai un problème, j'ai une difficulté, j'ai quoi que ce soit, je vais prendre du temps à part avec toi, Seigneur. Je vais passer un moment agréable, Seigneur, avec toi, dans le face-à-face, de ce tête-à-tête avec toi, Seigneur. Je n'ai prié, c'est persévérer pour avoir la chose que nous voulons, mais toujours en étant dans la volonté de Dieu. On peut gêner et prier, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, bien aimé, rien ne va s'accomplir. On peut gêner et prier, et Dieu nous révéler même que le chemin que nous prenons, c'est un chemin dangereux. Vous savez, j'ai un projet, je me mets devant Dieu, je dis Seigneur, je ne dis pas Seigneur bénis mon projet, Seigneur je te soumets ce projet. Est-ce que ce projet cadre avec ta volonté? Que ce ne soit pas ma volonté qui s'accomplisse, mais que ce soit ta volonté qui s'accomplisse. Parce que la volonté de Dieu, elle est toujours bonne et parfaite pour nous. La volonté de Dieu, c'est toujours la meilleure chose qui puisse nous arriver. Même si aujourd'hui, on a l'apparence, on a l'impression que rien ne s'est fait, comme on l'a entendu ce matin. J'ai prié, j'ai cherché, mais rien ne s'est fait. Mais je sais que Seigneur, en ton temps, tu agiras. J'ai été béni, honnêtement, ce matin par la prédication de ce matin parce que je me dis, quelquefois je dis, Seigneur, mais je suis fatigué. Ça recommence. Toujours la même histoire. Toujours, mais jusqu'à quand, Seigneur? Mais jusqu'à ce qu'il voudra. C'est lui qui décide. Et au travers des événements, au travers des épreuves, mes frères, mes sœurs, nous devons tirer un enseignement. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de ce que je vis? Dieu peut en moi, je vous dis que personnellement, j'ai dit Seigneur, merci pour la patience. Merci pour l'amour. Merci. Parce que comment? Non, il y a des choses, tu dis, mais non, tu ne peux pas. Mais merci Seigneur pour sa grâce. Que son nom soit béni. Alors, il nous est dit dans Acte 13, pas ma page. Au verset 2, il nous est dit, le Saint-Esprit dit, j'insiste sur le Saint-Esprit parce que ma prière en tout cas est que cette année soit une année où nous soyons à l'écoute de la voix du Seigneur, où nous mettons le Saint-Esprit en première position. Que Dieu puisse nous parler, que Dieu puisse nous enseigner, mais que nous, en retour, que nous soyons attentifs à la voix de notre Dieu. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, bien-aimé, si on s'arrête là, le Saint-Esprit, il y en a qui pensent que c'est une force quelconque, mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit dit clairement, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit, donc, est une personne. On peut penser que le Saint-Esprit a parlé au travers d'un membre de l'Église, par un don spirituel, par un message prophétique. Mais on peut aussi penser que c'était par une prédication. Peu importe le canal utilisé, l'important est que l'Église soit sensible, réceptive et pleinement soumise à la volonté de Dieu. Ici, il nous est dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La Bible dit, alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Bien-aimés, l'Église était attentive à la voix du Saint-Esprit. On ne s'est pas dit, est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui a parlé? On n'est pas en train de douter. Quand Dieu parle, bien-aimés, nous devons être sensibles.
Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, bien-aimés, nous allons exercer notre oreille à être attentive à la voix du Seigneur. L'Église doit être à l'écoute. Nous devons, chaque chrétien, chaque chrétienne, être à l'écoute de la voix du Seigneur. Nous voulons avoir une année bénie. Bien-aimés, soyons à l'écoute de la voix du Seigneur. Est-ce que nous écoutons quand Dieu nous parle? Sommes-nous vraiment attentifs à sa voix? Est-ce que nous nous soumettons à sa volonté? Quelquefois, c'est notre volonté qui prime par rapport à la volonté de Dieu. Ma volonté d'abord, Seigneur, ce que tu me dis là, j'ai bien entendu, mais on verra plus tard. Quel danger! En tout cas, on voit ici que dans l'église du Seigneur, on ne s'élève pas tout seul. Saul et Barnabas sont mis à part par la volonté du Saint-Esprit, par la volonté du Seigneur. Bien-aimés, dans l'église du Seigneur, on ne s'impose pas. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui qualifie et c'est Dieu qui envoie. On ne devient pas pasteur, diacre ou je ne sais quoi parce qu'on a décidé un matin. Il y en a, moi je connais dans ma communauté, malheureusement, il y en a qui disent « pasteur par la volonté de Dieu ». Vous n'avez rien à dire. Dieu, un matin, il m'a dit « Jean-Marc Assis, tu es pasteur à partir d'aujourd'hui ». Autoproclamé. Ça, c'est n'importe quoi. C'est Dieu qui appelle. Dieu prépare le terrain. Dieu prépare son serviteur, ses servantes. Dieu les qualifie. Parce qu'il y a un temps de formation, il y a un temps où Dieu voit. C'est comme nous, hein, quand tu vas à ton travail, on veut te donner une promotion, on commence par te former. Moi, pour être là où je suis, j'ai été à l'école pendant 3 ans. Je ne suis pas devenu infirmier. Un matin, je me suis dit, tiens, j'ai décidé de passer d'être soignant à infirmier. Mais il y a un temps de formation. Et avec Dieu, c'est pareil. Il y a un temps où il nous prépare, un temps où il nous appelle, et un temps où il nous forme, un temps où il te qualifie. Maintenant, tu es qualifié pour aller faire le travail que je te confie. Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Parce que le temps est venu. J'ai préparé ces hommes pour maintenant pouvoir les envoyer. Je me souviendrai toujours, je l'ai dit à mes stagiaires à mon travail, quand on a été à la remise des diplômes à la Sorbonne, quand j'ai fait mon école, je me souviens, il y avait le doyen des facultés de médecine et le président de la région, le président de la région, je crois, qui a dit « Le pays vous confie la responsabilité de soigner ses compatriotes. » Je peux vous dire que ça m'est resté. C'est-à-dire que personne ne sera devant toi, mais le pays te confie cette responsabilité. Si la personne est en train de mourir, tu dois pouvoir savoir que cette personne est en train de mourir. Parce que l'autorité, le pays t'a donné cette responsabilité. Et ça, c'est des choses que j'ai dit à mes stagiaires. Il y en a même quelquefois qui viennent ici à l'église. J'ai dit, quand je fais mon travail, je ne le fais pas en disant, bon, s'il meurt, ce n'est pas grave. Mais quand je fais mon travail, je peux vous dire que je le fais de tout mon cœur. Parce que je mesure la responsabilité qui est la mienne. Que si cette personne venait à mourir, toi tu vas peut-être dire, tu vas peut-être mentir. Hein? Ouais, il a eu ça, mais peut-être qu'il ne t'a pas contrôlé sa tension, il ne t'a pas contrôlé sa glycémie, il a fait un pic hyperglycémique ou une hypertension qui l'a mené à la mort. Et toi tu vas mettre, non, tension 13,8. Menteur va, mais Dieu te voit. Dieu te voit. Mais quand on te donne ce diplôme d'État, ça s'appelle, c'est parce que, je vous dis, cet homme qui dit le pays vous confie la responsabilité de soigner ses compatriotes, vos compatriotes. Mais ça, c'est comme nous, bien-aimés, quand on est serviteur de Dieu, nous avons cette responsabilité vis-à-vis des âmes qui sont en détresse, vis-à-vis de ces âmes qui vont aller en enfer. On ne peut pas se réjouir de quelqu'un, le pasteur disait ce matin, mais avec raison, que quand quelqu'un de l'église, un frère, une sœur, s'égare, qu'on soit en train de le lapider ou en train de lui montrer du doigt plutôt que
d'aller secourir cette âme en danger, de prier pour cette âme pour que le Seigneur puisse la sauver. Que Dieu nous aide. Donc, je disais, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on ne s'élève pas tout seul dans la maison du Seigneur. On ne s'autoproclame pas dans la maison du Seigneur, mais on attend le temps de Dieu. Et si le temps de Dieu a sonné, personne ne peut empêcher que la volonté de Dieu ne s'accomplisse. Alors, si Dieu a appelé Saul et Barnabas, bien aimé, et que l'Église a prié pour eux, je veux dire que ceci implique le respect de la communauté vis-à-vis de ces hommes, mais aussi le soutien à ces gens-là. Quand on sait que ces hommes, ou même ces femmes, Dieu les a appelés à le servir, bien aimé, nous devons du respect à ces hommes-là, à ces gens-là. Et nous devons soutenir ces ministères-là dans les prières, dans nos prières, soutenir ces... Parce que vous savez, servir Dieu, ce n'est pas de tout repos. Les attaques que subissent les serviteurs de Dieu, vous ne vous rendez pas compte. Mon dernier message à l'église Vie Nouvelle de Kinshasa, évidemment c'était dimanche, le samedi, j'ai passé une nuit mais terrible. Tout ce que j'avais mangé, je rendais. J'étais comme ça au bord des toilettes. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, s'il m'arrive quoi que ce soit ici. Et demain, c'est l'église. Je fais comment? Et là-bas, il commence à 8 heures. J'ai passé la nuit, mais j'étais attaqué, mais terriblement attaqué parce que l'ennemi ne voulait pas que ces messages-là soient prêchés. Jusqu'à 7 heures, à 6 heures du matin, j'étais pas bien. J'étais prêt à appeler le pasteur Willy pour lui dire que, pasteur, je ne peux pas venir. Mais j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, c'est ta volonté qui s'accomplira, pas celle de l'ennemi. L'ennemi n'aura pas les derniers mots sur moi, ce n'est parce que ce message-là, je sais pourquoi l'ennemi m'attaque, mais Seigneur, toi, tu l'as vaincu à la croix du calvaire. Et j'ai proclamé la victoire, je peux vous dire que je me suis levé, je me suis lavé, j'ai mis mes vêtements, je suis allé à l'église et l'église a été bénie. Mais combien de fois ça m'est arrivé dans mon ministère personnel? Que le matin, tu vas aller prêcher à l'église, que tu subisses des attaques, même de ton entourage. Et là, tu dis, bon, j'appelle le pasteur Lunderman pour annuler la prédication. Mais là, tu dis, mais il faut avoir ce discernement. Tu es préparé, tu as passé la nuit, tu as jeûné, prié, le Seigneur t'a mis un message sur le cœur pour son peuple. Et là, tu te réveilles le matin, les enfants qui ne veulent pas aller à la douche, la femme qui fait ceci, et l'autre qui te dit cela. Et tu vas t'énerver. Mais sauf que dans une heure, tu dois te présenter devant le peuple de Dieu. Je fais quoi? À vous, à l'église, on vient, alléluia, amen. Mais vous ne savez pas... Une fois au Miro, pareil, j'arrive à la gare de Miro pour prendre mon train. Il y a ma chère et tendre qui m'appelle, mais pas pour de bonnes choses. Je dis, Seigneur, mon Dieu, j'appelle le pasteur pour lui dire que ça, j'annule. Je vais à l'église, je parle devant Dieu. Ce message-là, les trois quarts de l'église est venu à l'appel. L'église était en pleurs. Il y a eu des repentances, il y a eu de réconciliation dans l'église ces jours-là. Et là, tu réalises que l'ennemi ne voulait pas que cela s'efface. Le pasteur, quand j'ai fini de prêcher, j'ai passé le micro au pasteur Martial. Il a dit, Dieu nous a parlé, parce que lui, il était au courant de certaines choses que moi, j'ignorais dans l'assemblée. Donc, je ne pouvais pas les savoir. Et c'est quand il prend le micro, mais l'appel de plus de la moitié de l'église s'est avancé. Il y a eu des pleurs, il y a eu des réconciliations, il y a eu... Mais on finissait, je crois, à midi, on est allé jusqu'à 14 heures ce jour-là. Et là, tu comprends que l'ennemi nous attaque, pas parce qu'il veut nous attaquer, parce qu'il sait ce qu'il y a derrière. Que Dieu nous aide. Donc, on a besoin de votre soutien. Priez pour vos pasteurs, pour les femmes de vos pasteurs, pour les enfants de vos pasteurs.
parce que le combat est rude. L'ennemi ne peut pas t'atteindre comme ça, il va passer par les enfants. Toutes sortes de choses. Dieu, que Dieu nous aide, mais voilà, je l'ai dit, ce n'était pas prévu, mais je vous dis juste pour que vous sachiez que le Saint-Esprit envoie, mais là aussi, c'est le combat qui commence. Mais combien l'Église a besoin, combien en tout cas les servantes, les serviteurs et servantes de Dieu ont besoin du soutien du peuple de Dieu. Saul et Barnabas vont partir par la volonté du Seigneur. Bien-aimés, même dans nos vies, nous devons rechercher la volonté de Dieu pour nous. Quelle est la volonté de Dieu pour moi cette année? Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie cette année? Le Seigneur Jésus d'ailleurs lui-même dira, « Je cherche non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Que la volonté de Dieu soit primordiale dans notre vie. Il dira aussi, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Seigneur, quelle est ta volonté pour moi en cette année 2016? Bien-aimé, si Dieu nous parle, nous devons réagir tout de suite et non différer l'application de la volonté de Dieu. On voit ici que quand le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Saul et Barnabas », tout de suite, l'Église a réagi. Tout de suite, Saul et Barnabas ont été mis à l'écart. L'Église va prier pour eux. Ils vont imposer les mains et ils vont les laisser partir parce qu'ils ont la bénédiction de l'Église. On ne quitte pas, même pour faire du bien ailleurs, mais on ne quitte pas son assemblée sans la bénédiction de l'assemblée. Un enfant ne quitte pas la maison parentale sans la bénédiction de ses parents. Je bénis les frères et la sœur ce matin, parfait, Karine. Karine est pratiquement née dans l'église, je la connais toute petite. Et quand il dit qu'ici on est chez nous, quand je viens je frappe, de savoir que c'est la maison. Ici c'est la maison. Que le nom du Seigneur soit béni. Si Dieu nous parle, donc, je disais tout à l'heure, nous devons réagir tout de suite et non différer l'application de la volonté de Dieu. Cela s'appelle avoir la crainte de Dieu, le respect de Dieu. C'est pourquoi Job pouvait dire, vous savez, dans la vie, on a tous nos petits problèmes. Et Job, dans Job 23, il va dire, il sait néanmoins, parlant de Dieu, parce que les autres l'accusent, que si tu es dans cet état, c'est parce que tu as péché, parce qu'il y a des choses pas bien dans ta vie et tout ça. Et Job est capable, connaissant sa vie, il dit, il sait néanmoins, au verset 10, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. S'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Il sait néanmoins quelle voie. La voie, le Seigneur Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Que ces jours-là, mon frère, ma soeur, devant... Comme on a vu là dans le couloir de la mort, dans le couloir de l'enfer, que tu, là où on regarde les livres de vie, si on tient compte de notre sketch, que dans ton cœur, tu puisses dire, oui, je suis là, mais Dieu sait la voie, V-O-I-E, que j'ai suivi. Job, lui, il était capable, en tout cas, de dire, il sait, Dieu sait, quelle voie j'ai suivi? Il dit, mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie. J'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Bien-aimé, c'est ma prière en tout cas pour l'Église, que cette année, que nous, notre pied s'attache au pas du Seigneur, que nous gardions la voie. Seigneur, sois le centre de ma vie. Seigneur, sois au cœur de ma vie. Seigneur, dirige ma vie. Que je ne me détourne pas, que je ne me détourne point de cette voie. Et vous voyez, quand l'Esprit de Dieu est là, quand l'obéissance à la parole de Dieu est là, bien aimé, les miracles s'accomplissent. Quelquefois, on ne reçoit pas, on demande mal, ou parce qu'il y a de l'ombre dans nos vies, ou il y a des choses non réglées dans nos vies, et puis on se dit, mais pourquoi et de pourquoi? On voit ici que Paul et Saul et Barnabas, ils sont envoyés. Ils vont arriver
dans les synagogues des Juifs, la Bible dit, et ayant ensuite traversé, dans le verset 6, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus. Dieu les conduit vers des âmes qui ont faim et soif de lui. Mais en même temps, il y a aussi des obstacles. Il y aura toujours des gens pour empêcher les gens de passer des ténèbres à la lumière. On parle de cet homme, Sergius Paulus. La Bible dit un homme intelligent. Pourquoi la Bible dit que c'était un homme intelligent? C'est parce que cet homme va manifester le désir d'entendre la parole de Dieu. Et non seulement il manifeste le désir d'entendre la parole de Dieu, mais ensuite il va y croire. Il est intelligent. Il ne s'est pas fié aux paroles diaboliques de l'autre, mais il va se fier à la parole de Dieu. Dieu va conduire ces hommes à discerner aussi l'action diabolique d'Élimas. Élimas, le bar Jésus, là, il cherchait à détourner le proconsul du salut. Bien-aimé, combien de gens vont faire en sorte que nous n'annoncions pas déjà l'évangile ou d'empêcher ceux qui sont disposés à écouter l'évangile de les empêcher à le faire? « Ah oui, tu écoutes Jésus, c'est quoi? Eh bien, viens, va boire un coup. Eh non, laisse tomber. Eh, c'est du blabla, ne t'occupe pas. » Mais nous, si nous sommes persévérants, remplis du Saint-Esprit bien-aimé, nous allons gagner des âmes pour la gloire du Seigneur. C'est ce que va faire l'apôtre Paul. Sous l'onction du Saint-Esprit, l'apôtre Paul va manifester deux dons. Il va discerner les esprits. Donc déjà, il va discerner l'action du magicien. Donc l'esprit du diable, que cet homme contrôlé est contrôlé par le diable. Et Paul va discerner aussi la présence de la main de Dieu jugeant le magicien. Bien aimé, souvent nous parlons des miracles. On pense que les miracles, c'est seulement les guérisons. Mais les miracles, ce n'est pas que les guérisons. Les jugements de Dieu, ce sont aussi des miracles. Cet homme qui est en train d'empêcher l'œuvre de Dieu de se faire, Dieu va le juger séance tenante. Et ça, c'est un miracle. Quelqu'un qui voyait clair, tout d'un coup, va passer dans la cécité. Ça, c'est incroyable. Parce que si Dieu est dans l'affaire, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Paul va discerner, va avoir la parole de sagesse. Il va dire, il prédit ce que Dieu allait faire. Il dit, tu seras aveugle. Et ce n'est pas une formule magique. Parce que la Bible dit qu'aussitôt cet homme va perdre, aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. On ne se moque pas de Dieu. On ne joue pas avec la parole de Dieu et on ne joue pas avec le Saint-Esprit. Nous devons retenir, je vais m'arrêter là, nous devons retenir que nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit si nous voulons voir la main de Dieu agir efficacement. Paul et Saul ne sont pas partis de leur propre autorité, ils sont partis investis par l'Église, par le Saint-Esprit, et là, on voit les miracles s'opérer. Il voit la main de Dieu sur cet homme, maintenant la main de Dieu sur toi, tu seras aveugle, parce qu'il a vu. Il est rempli du Saint-Esprit et il voit les choses que les autres ne voient pas. Bien-aimés, nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit si nous voulons voir la main de Dieu agir efficacement dans notre vie tout au long de cette année. Nous devons nous attacher à lui, faire corps avec le Seigneur, que rien ne vienne nous séparer de son amour. Que rien, en cette année 2016, mes frères et mes sœurs, que ce ne soit pas les tribulations, que ce ne soit pas les chômages, que ce ne soit pas les problèmes de toutes sortes, les maladies ou autres, qui viennent nous séparer de l'amour du Seigneur. Nous devons, en cette année 2016, en tout cas c'est ma prière, dépendre toujours de lui, qu'il soit la source où nous irons chaque jour puiser notre énergie en cette année 2016. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je n'applaudis pas.